rappeur préféré, c'est Kennedy Jacktis. Hein? Ils ont mis des années à la faire, mais franchement, ça vaut la peine. On va aller où, Dodi? L'event Peretti. Simplement, t'as envie de rester ici. Ouais, ça va. Tout simplement, il faut pas partir d'ici. Un peu ici, un peu au Cueil, et voilà. Un peu dans le sud, un peu dans le nord, et voilà. Un peu en Belgique. Je ne sais pas, mais peut-être. Ouais. Les euros, c'est la question. Là, c'est sûr. Bah, tu travailles en euros, tu restes ici. Hein. Quitte à... Regarde. Tous les fournisseurs, ils travaillent en euros. Hein? Ouais, c'est pas vrai. On a tout payé en euros. Bah, tu payes en euros, mais tu dois surtout vendre en euros. Tu dois vendre. Bah, eux, ils ont vendu en euros. Non, toi, tu dois vendre. Ouais, eux, ils ont vendu. Donc, eux, si c'est possible, nous, c'est possible aussi. Hein? Attends. On va encore chercher des fournisseurs aujourd'hui. Et après, on sait pas. Hein? Après, c'est toujours, on va regarder sur Instagram. Instagram, on va regarder tout ce qu'on a sauvegardé en restaurant, enfin, surtout moi. Et après, c'est place au dessert, la soirée, c'est ça. La soirée, on passe à manger des desserts. Et voilà, et on essaye d'aller souvent vers le Bosphore. Ça sera notre journée aujourd'hui. Petite vidéo. Kıyma alalım. Ben de şu sırma bir de peynir. Kıymalı olsun. Tamam. Şerbet. Ça fait 8,50€ pour le moment. Bon, c'était quand même pas mal délicieux. Franchement, ça vaut la peine. Hein? Ouais. Consistant. Un croustillant. Une omelette, un gueuse-lémet, de beurre, de thé. Ça va quoi? Ouais. Ça va pour ton argent. En espérant qu'il y ait de la place. Prendre la direction sud-ouest. On s'est arrêté ici au parking de Floria, c'est ça, hein, de Floria, c'est le parking. C'est le parking du T6. Du T6. Social T6, les rues de Florent. Tu crois? Mais le Social T6, il est là-bas. Hein. Ici, c'est pas le Social T6. Hein. Comment on se mettait ici pour aller ici, à la mer? Ici, c'est pas Social T6. Ici, c'est East Park. Ouais, on est près du... Le Social T6, il est plus loin. Ici, il y a la plage de Social. Où on venait nager? Ouais, c'est ça que je voulais dire. Ah, tu voulais dire le parking de la plage de Social. Ouais. On a trouvé de la place, sinon c'était blindé jusqu'à quoi, Florian. Maintenant, on va sortir et on va se promener.
Alors en été, on voit qu'on est à la plage, à Istanbul, à Florya, mais il n'y a plus rien ici, ils ont tout retiré. On va vous montrer. Enfin. T'as vu, ils ont tout retiré, hein? Quoi? Ils ont tout retiré. Ouais, c'est fermé, hein. C'est parce que c'est comme ça en hiver, c'est ça, hein? Ici, à la plage, en été. Le parking est là, l'entrée est là-bas. L'entrée est là-bas. À la plage. T'as vu ceux-là qui sont assis comme ça, j'adore. On devrait avoir ça ici aussi. Mais... pas notre voiture, c'est une voiture de location. Tout est parti. Hein? Il n'y a plus de parasol, il n'y a plus rien. Incroyable. J'espère que cette année, il n'y aura plus d'algues comme les autres années. Tu viens? Hein? Toujours sortir une heure avant le coucher du soleil. On a des photos super et des vidéos super. Voilà. Plus ces dernières années que les premières années quand on venait ici. Avant, quand on venait, il n'y avait jamais d'algues, c'était magnifique. La non, plage. Il y a toujours eu un peu d'algues. Un tout petit peu, mais elle était belle la mer. Par contre, ces dernières années, je peux te dire que c'était rempli d'algues. Ça dépend peut-être. Non, je crois qu'il fait. Cette année, on n'est pas venu déjà, l'année passée. Ouais. L'année passée non plus, on n'est pas venu. Non, bah, les dernières années où on est venu, c'était rempli. On va manger ou quoi? On va manger ou quoi? Comme une vraie belge, comme ça. Quoi? Hein? Une bruxelloise. Une bruxelloise. Je sais pas si c'est typique de Bruxelles ou de la Belgique. On va manger Hafez Mustapha. On va manger une fois. Non, une fois, non. Une fois, je dirais pas. C'est Bruxelles. Bon, comme on n'était pas loin de là où on était, on est venu encore à Florya. Bah, c'est quand même pas mal beau ici, par ici aussi. Hein? En fait, lever mon bras et j'ose pas. Tu vois? Comment ça? Je dois faire comme ça. Bah vas-y, pourquoi? Mais j'ose pas. J'ose pas. Tu vois l'impression? En fait, faut pas que je regarde les gens. Et de toute façon, ici, ils en ont rien à foutre, ils te regardent même pas. Ouais, ils sont habitués. C'est pas qu'ils s'en foutent, je crois. Ils sont habitués. Ici, on peut louer des petits vélos à trois roues. Parce que là, ici, ils sont exigeants. Si tu roules sur leur piste, ils te foncent dedans. En même temps, ils ont raison. C'est prévu pour eux. Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Là, je me lasserai jamais de l'assiette pareil. D'un coucher de soleil comme ça. Une fois qu'on aille un jour. Où ça? Je sais pas, loin. Comme ça. Où ça? Un endroit à découvrir, je sais pas. Bah, il faut regarder sur internet, hein. Tu vois, plus. Loin, on a été à Karaburnu, loin. Ben, plusieurs là-bas, j'allais. Alors, en haut, à gauche, à droite. Karaburnu, c'est à droite, à gauche. Au-dessus de Beykoz. Et on peut aller de la mer Noire à droite, du côté d'Istanbul. Tu
tu vois. Hein. Je me rappelle plus là-bas comment ça s'appelle. Sakarya, je sais pas. Il y a du monde aujourd'hui, c'est samedi. Les mouettes, elles sont magnifiques. Regarde, tout le monde fait des photos, tout le monde s'assit, s'assoit. Je sais jamais quoi dire. Mais regarde, il y a encore beaucoup d'avions qui passent par ici. Ils faisaient la file comme ça. Ouais, ils faisaient la file, hein. On les voyait, hein, les uns derrière les autres. Il n'y a pas de Chaïdi, peut-être il est plus loin. Il est là près de... On s'arrête ici, hein. On va trouver un thé. On va le voir ici ou là-bas, on va le voir. Ouais. Bon, on va essayer de trouver un chaiji, c'est ça? Un chaiji ambulant. En espérant qu'on en trouve un. Et on va s'installer sur un bout de rocher. Il y en a un qui l'a griffé. Touche pas. On va s'arrêter sur un bout de rocher et on va s'asseoir. On va s'asseoir, c'est ça? Ouais. On va s'asseoir, admirer le coucher du soleil. Ok. Tamam. Hein? Je vais te parler en turc un peu. Franchement. Hein? Il faut faire 1h30 de route en Belgique pour aller voir la mer. Et ici, tu l'as tout autour. Tu te mets là? Ouais, mais la pierre est pas agréable pour s'asseoir, non? C'est possible, ça chaud. Quoi? Dans un quart d'heure, il est parti. De quelle heure? Moi, je dirais plus qu'un quart d'heure. Plus qu'un quart d'heure? Combien tu crois qu'il est? Hein? Combien? Vas-y, Paris. Quelle heure? T'as vu? Quoi? J'allais faire une photo. Non, mais t'as vu? 18h10. Ouais. Ah, il se couche à 18h30. Un quart d'heure, je t'ai dit, 15 minutes. Allez, 20 minutes. C'est beau, avec les mouettes partout. On n'a pas de pain. On aurait donné du pain aux mouettes aussi. Hein? Elles sont en train de pêcher. Tu vas? Non. Mais t'exagères, non? Ousmane! J'étais là comme par hasard, là, Ousmane. Ousmane! Ousmane, reste tranquille! Ça y est? Heureusement, t'es pas tombé, hein? Ouais, j'ai pas eu là. Ouais, j'ai vu. Là, j'ai glissé là, mes pieds, ils ont glissé. Je te voyais bien partir. Même le comme téléphone, ça. Il a fait comme ça. Heureusement qu'il y a ça, il a. Fais gaffe, tombe pas la tête devant, hein? Quoi? Fais gaffe, tombe pas la tête devant, je t'ai dit. Qu'est-ce que tu ferais pas pour une petite vidéo, hein? Fais gaffe, tiens, toi, Ousmane. Ousmane. Tiens-toi! Ah oui, 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 oui! Ah oui!
Il met son téléphone dans la mer. Ça y est, t'as eu ce que tu voulais, hein? Ousmane, tiens-le bien. Tiens-le comme ça, il risque de tomber dans les trucs. Hein? T'as eu la prise que tu voulais? Hein? Je vais te frotter maintenant. C'est grave, hein? C'est l'eau de mer en plus, hein? Ousmane, mets-toi sur la grande là, s'il te plaît. Tink! Tu parles plus! J'essaie, mais... Assieds-toi là. Corrige en français. Assieds-toi! Depuis quand on dit assieds-toi? Hein? On dit assieds-toi! Assieds-toi, on dit! Assieds-vous! Vous? Assieds-vous! Il est 18h30, le coucher de soleil se couche à 18h30 ici. Ah, on est quand? On est au mois de février. C'est plus qu'un chai tea en vérité. Hein. C'est dommage qu'il n'y a pas. Bizarre. Franchement, on n'en a pas. C'est à cause du AVM. De quoi? Je ne veux pas l'AVM peut-être. Non, mais je veux dire, même s'il y a un AVM, c'est dommage qu'il n'y en a pas. Hein. Un petit kiosque comme ça, tu vois? Pour les gens qui veulent pas rentrer dans le AVM. Il y a même des petites voitures à louer pour les bébés, enfin pour les enfants. Attends, on va rentrer dans le bois. Attends, on va fermer, hein. C'est bien, non. C'est pas, on sait pas. Non, c'est pas. On va rien prévu, tout peut arriver. Quand rien n'est prévu, c'est ça. On a prévu, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ça, c'est la phrase de Ben Emco. Donc on va chez Hafouz maintenant. On va chez Hafouz, mais en allant chez Hafouz. Ils sont beaux. Et on dirait des frères et sœurs. On dirait des jumeaux. Bon, tout doucement, je sors de ma coquille. Direct, t'as vu, direct, il nous a sorti le. Ici? Bah ouais, on n'a pas le choix. Hein? Ouais, il n'y a pas de place. Ou pas? Tu vas prendre alors comme d'habitude? Ça c'est sûr, mais j'ai tout envie là. C'est l'heure du dessert, c'est ça? L'heure pile poil du sucré. Alors tu vas prendre du leche plus qu'une effet? Tu manges avec moi, ouais, sinon je prends que qu'une effet. Je l'ai pas. Qui t'a aidé? Qui t'a aidé? Il y a un autre truc ou pas? Hein? Comment? Il est un peu refroidi, mais il est bon. Quoi? Rien compris. Il est un peu refroidi, mais il est bon. Et le coup, pour toi, pour moi. Vas-y. Il est au poids, tu crois? Ah, il est comme t'aimes bien. Grenade? Grenade et au pistache. Il est trop bon. Quoi? Le coup? Le coup, hein. En plus...
kiwi. Oh, je veux bien. Avec. C'est assez, non? C'est assez? Ouais, avec. Et celui-là à côté, c'est celui que tu aimes bien aussi? Oui, il y en a qui l'est? Celui-là. Non, attends, mon code, c'est celui-là. Ok. Ça, c'est. Merci. On va le ticket. Ah, je prends le ticket. Ça, merci. On est parti vers Sultan Ahmed. On a pu filmer les mosquées la nuit. Hein? On entend les mouettes. Ça y est, le coucher de soleil est parti. Je filme sans stabilisateur, donc ça bouge. Arriver ici. Bon, j'ai pas mon stabilisateur, donc ça tremble. On aime bien passer par ici juste pour le fait de passer et de regarder les monuments. Alors ici, comme je vous ai montré, il y a le hammam de Hulam. J'ai bien regardé. Inch'Allah, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Et maintenant, on se dirige vers l'autre mosquée, bien sûr. L'une en face de l'autre, qui est Sultan Ahmed. La voilà. Sultan Ahmed. Et Hagia Sophia. Le hammam de Hulam, il est juste là. Instagram aussi se trouve juste là. C'est magnifique. Il fait bien caillant, même s'il fait froid. On est là. Ah, il fait froid, hein? Ouais. Il est gelé. Moi aussi. On va aller faire un petit kefté ou quoi? Hein? Un petit kefté de Sultan Ahmed. Pour ça, lequel? Ah, les deux, hein, d'habitude. Quel deux? Là-bas. Il n'y en a que un? Ben non, il y en a deux. Ben non, il y en a. Mais si, il y en a. Ah, deux. Tu parles du même qui a deux restaurants. C'est pas le même? Enfin, je sais pas si elle a. Si, c'est le Meshoul. Comment il s'appelle? Meshoul. Meshoul Sultan Ahmed Kefteji. Kefteji ici. Kefteji ici. Bon, on va aller alors. Déjà, on va pas d'abord un peu s'installer ici. Pas trop froid. Attends, moi je veux quand même une photo, même si c'est la nuit, avec la mosquée ici. Attends, je vais faire. J'ai une photo avec Hagia Sophia. Et j'étale, c'est ça? Deux passionnés de photographie. Ouais. On est deux passionnés de photo. Et de vidéo. Chaque angle ici. Je dis chaque angle, la mosquée est belle. Ouais. Maintenant c'est Meshour. Attends, comment t'as dit? Meshour Kefteji Sultan Ahmed. Ah, Sultan Ahmed, Meshour Sultan Ahmed Kefteji. Yijiz, comment on dit? Yijiz. Yijiz.
Yejiz, c'est ce que j'ai dit, non? Presque. Parce que moi j'avais. Non, Yejiz, on a dit. Yejiz, moi j'ai dit. Parce qu'on a dit. Soit. Yejiz alors. Hein? On vous emmène avec nous. Vous nous direz si vous connaissez ou pas. C'est juste devant Sultan Ahmed. Sultan Ahmed. Le boulevard, enfin la rue Sultan Ahmed. La mosquée derrière nous. Et le restaurant par ici. Ça sent bon, hein? Quoi? Ça sent bon, mais c'est ici, hein? Celui-là ou l'autre? C'est celui-là, il a changé d'enseigne. Ah non, il est là. Il est là, il est là-bas. Mais c'est Sultan Ahmed Kefteci. Avec le drapeau. Mais le plus ancien, c'est celui-là, je crois. Il est où l'autre? Oh, marron. Tu préfères lequel? Je sais plus, moi. C'est de quel? Quoi? Ah ouais. C'est dans l'autre? Ouais. Ils ont changé, alors. On a fait les deux. On a fait les deux. Attends, je vais te filmer. S'il veut bien. On va auquel alors? Quoi? Ok. Ça prend une soupe. Hein? Ouais, il y a quoi? Çorba ne? Najmek. Selman. Çorba 2 yarım alabilir miyim? 2 yarım çorba, 2 tane de et ekmek. Ça me vient de manger. Franchement, combien de fois tu l'as pas dit quand je le dis à Odora? Combien de fois j'ai dit plutôt? Non, pas combien beaucoup. Non, combien de fois je l'ai dit parce que j'ai. Ouais, combien voilà. Tu l'as dit parce que parce j'ai que dit à Odora. Tu l'as dit, ouais. Hein? Ouais, c'est bon. Pourquoi tu peux le dire à Odora? Ouais. C'est pour te rappeler aux autres aussi. C'est vrai. Tu sais qu'il disait toujours le bismillah chez moi. Ton père? Ouais, je sais. À haute voix, hein? Ouais. Merci bien. Je crois qu'il y en a beaucoup qui doivent connaître aussi. Hmm? Il y en a beaucoup qui doivent connaître aussi. Bon. Tu devrais avoir tendance à me parler un peu plus en turc. Hein. C'est secret, c'est à toi. Ouais, ça, moi, les enfants, c'est toujours bon. Si, mais c'est l'habitude, hein. La mauvaise habitude. Ouais. C'est quoi? Tu dis que. Tu veux quoi? Cola. C'est quel fils cola? On a un bitana là. Non, quand même. C'est traditionnel, c'est ça? Hein? Voilà les cafetés, les combien de cafés il y a? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Il y en a 6, avec du pain frais. Ayran. Ça te fait penser à qui, Ayran? Chili. Qui? Chili. Non. Qui? Ah, chose, Ben. Ouais, Ben.
Il buvait toujours un iron avec. Bon, bon appétit alors. Hein. C'est un laz alors aussi. C'est un laz. Ouais. C'est des... Il y en a beaucoup, hein. C'est des trabzondis, mais des trabzondis, c'est ça de... Ouais. C'est des trabzondis, c'est ça. Il est clash comme, comme toi. Mais il a des éclairs. Hein. Il parle pas celui-là. Il parle pas, il est enfermé là comme ça. Ah, comme ça. Ouais, voilà. Le strict minimum. Tu vois, les, la même, il te regarde même pas dans les yeux. Qui? Non, pas ici, ici, mais un peu partout. Ah, je t'ai ouais, c'est pas normal parce qu'il, j'ai lu des trucs comme ça il y a pas longtemps. Quoi. Ouais. Je crois que c'était sur Facebook. C'est illégal, c'est ça. Illégal, je pense pas que ça l'est. C'est quoi alors? Par exemple, un endroit comme ça aussi connu, ils vont porter plainte. Pourquoi il a dit ici d'aller en plus pour le service? C'est comme ça que ça va, hein. Je sais pas. Alors, qu'est-ce que t'as lu, toi? Des témoignages de gens, ouais, j'ai été, j'ai mangé, et puis je savais pas, bah oui, c'est vrai. Pas normal. C'est vrai que ça avait marqué sur la carte en fait. En bas. Qui est-ce qui t'apporte la carte? On va regarder le dessert. Au final, c'est quoi 10%? C'est ça, c'est quoi 10%? Ça revient à pas grand chose, non? 10%, il a dit. 10%. Ça fait quoi 10%? Tu vois, par exemple, c'est pas marqué, hein. Même pas. Hein. 2 fois 44, on a 2 demi-sous. Tu vas nous compter une sous. Tu vas peut-être compter 10. Comme on a pris 2, tu as donné 2 fois. Mais bon, ça fait 20. 88, ça fait 108. 108 et un quart et un alors 108 118 et 130% c'est quoi bon plus 13 ça fait 113 quand même hein. C'est un dessert quoi c'est 20 sur le dessert bah, c'est pas 13 hein. Tu veux des soeurs? En plus, le. Comment ça s'appelle? Elvin. Elvin, il en propose pas partout. Hein. Je crois qu'il est bon le vin d'ici, mais est-ce qu'on le prend maintenant? Alors on le prend en plein. Ah, mais ça fait manger, il va refroidir. Oh, c'est chaud. Tiède. Je crois. Il me semble, je sais pas. On est en train de discuter de quoi? Parce que des services, des tickets, des services. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Dans les tickets, c'est marqué service. Il y en a, c'est marqué 10% du total. Il y en a, c'est hier, je ne sais pas c'était quoi. C'était combien? Le ticket, tu regarderas. On regardera. Bon, on a essayé de comprendre en demandant, mais ils ne nous ont pas dit ce que c'est. Et là, ils ne nous ont pas fait payer le service parce qu'on a demandé, je crois, non? Hein? On a demandé, c'est pour ça? Non, il me l'a pas compté. Ah. En fait, je me suis trompé. J'ai vu 125 sur le ticket, il m'a dit 145. Mais j'ai zappé le Helva. Tu vois? Ah. Et alors, j'ai dit, ouais, il y a cette histoire de service ou quoi là? Il m'a dit, non. Il m'a dit, non, il n'y a pas. Il m'a dit, c'est ça. Ah, je dis, ouais, c'est juste, il y a les Helva. Et puis, je dis, non, écoute, je te pose la question parce que, par curiosité, tu vois, je me demandais ce que c'était. Il m'a dit, non, il m'a dit, genre, ça c'est autre chose. Enfin, c'est bizarre quand même. Bon, on va. Il m'a dit pour toi, il n'y a pas. Et quand je lui ai dit, je me posais la question, ouais. Il a dit non, ça c'est autre chose. Tu vois, il a zappé quoi. Bon, on finira par comprendre c'est quoi ce service sur les tickets. Juste là. Hein? Je dis, on finira bien par comprendre c'est quoi le service. Moi j'ai l'impression que c'est les pourboires, mais c'est pas les pourboires. Hein? Je sais pas.
Ouais, il est chaud, il est là. Il est chaud. Il n'y a personne. T'as vu ça? En même temps, il est quelle heure? Il est 11h. Non, 10h, il est. Ah, il est 10h. Tu vois, ici, c'est notre grande place de la Belgique. Hein? Il y en a beaucoup de grandes places ici. Hein? Non, mais je veux dire... Ouais, il y en a beaucoup, c'est vrai. Mais en Belgique, vrai il y a... On ne sait pas, histoire, c'est quoi la grande place? C'est-à-dire? Au final, c'est laquelle, la grande c'est place ici, hein? C'est ici. Ouais. C'est ici. C'est ici, il y a Sofia, le sultan Ahmed. Mais ici, il y a à manger, il y a à boire... Hein? Ouais. Il y a à se promener, il y a à regarder. Non, à regarder ici en fait. Mais il n'y a pas à manger à ce moment-ci. On va vers l'hôtel qui est pas loin. Stabilisateur. Plus de batterie. On va rentrer tôt ce soir et demain matin on va essayer de se réveiller un peu tôt quand même. Ok. Bon, alors ce sera le mot de la fin. C'est quoi le mot de la fin? À demain. À demain? Non, pas à demain. Yarın görüşürüz inşallah. C'est ça? Hein? T'as vu, moi je pense à parler de toi, quoi. Là-bas ou pas là-bas, hein. Ouais, je sais.